Genèse chapitre 3. Je mettrai une limite entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Merci. Omechita. C'est dans mes temps service là. Et après chanter, c'est ça, fin de chanter. Me réaliser ça que fait toute hier. Non goumé. Qui côté bon Dieu voulait m'aller ma terre. Ce gars des premiers services là, son message. Deuxième service là, son autre texte qui est totalement différent. Juste avant que nous rentrions dans le message, parole bon Dieu, je connais pasteur Jonas Fell, mais moi, je voulais faire. On dit Dora, Dylan et Geraldine, welcome. Et en plus, le monde n'a pas compris. L'homme dit, on sait que le monde welcome, mais avec un sourire sous lèvres, c'est parce que il y a une histoire, pas vrai? Et l'histoire là, c'est toujours, mon âme, toujours, t'es président de jeunesse sur une période, pas vrai? Et puis, il y a un applaudissement que nous fait l'église de temps en temps. Et le monde qui t'a montré, nous, c'est Géraldine, elle fait que ça t'a été, pas vrai? So nous dit Didine, ouais, c'est un gars dit ça. Welcome. It's always a pleasure to see you. And for you guys, Dora and Dylan, welcome. It's a pleasure to have you worshiping with us this morning. Rapidement. Nous sortons un bel texte. Nous avons fait toute récente année. Si tu as ce grand texte, nous avons fait théologie. Ah ouais. Mais malheureusement, dimanche, si Dieu veut, je ne vais pas là. Dans le ça, je m'ai préparé pour un mariage. Même quoi, si bon Dieu fait nous grâce, je vais retourner encore pour nous pick-up exactement côté. Je vais quitter le matin. Genèse chapitre 3, le verset 15. Ou soit tendil. Et l'on fin tendil, le fin li passage là, m'a posé tellement de questions. Ça fait théologie, yon écrit sous le lit comme ça. Et c'est ça que fait maintenant, c'est tout yon plaisir pour commencer le sujet ça avec vous-même. Qui titre comme ça, si c'est anglais ou parler. When grace appeared in the garden. La grâce paraît dans le jardin. Peut-être qu'on va demander pour quelle raison. Il va demander tout simplement, suivez avec moi. Je ne vais pas presser, je ne vais pas courir, je m'espère, je ne vais pas aller fort. Parce que quand il y a un dit, il y a un enseignement qui dit, il ne pas aller fort. Mais c'est make sure que le peuple a compris et pour appliquer. Il y a une plus grosse question que nous gagnons dans la vie. Et si ce sont des gens qui sont soucieux, ce sont des gens qui sont concernés, ou assez souvent poser tête aux questions, ça a passé comme ça. Dans le monde ça. Lors ouvert télévision, c'est mauvaise nouvelle. À chaque côté passé, c'est tête chargée. Il y a assez souvent une question ça, lors poser le cas ça qu'a passé, monde ça comme ça. On peut poser de plusieurs façons. Si vous c'est
théologien ou bien un monde qui étudie la théologie, ou pral poser tête aux questions, what's wrong with this world? Pour qui ça gagne mal comme ça? Et assez souvent, on va même poser qu'est-ce que le mal? Et il pral soulever une question côté où pral poser tête aux questions, ça fait gagner mal sous terre comme ça, et ça fait gagner souffrance avec la misère comme ça sous terre. Et même puis devant, on va poser tête aux questions, mais comment faire le mal et la souffrance coexister avec bon Dieu? Et parfois, la question même capable d'aller dans l'aspect philosophique. Mais maintenant, je ne vais pas faire ni philosophie avant. Je suis bien content de faire. Mais je n'ai seulement arrêté dans la Bible. Regardez la télévision. Vous réalisez hier soir, avant de mal dormir, je suis sûr que pour me gagner un chiffre la clé. Vous réalisez que gagner 5,234,576,000 personnes qui mourent avec COVID. Le monde a vécu dans un état de panique et d'anxiété. Côté que le monde pensait que COVID-19 allait aller. Il y a 2 ans, on dit le praler, la quitte, ou elle retourner pour vivre, chanter qu'on vive là. Et puis, dans quelques mois que ça te passe, autant de villes qu'on Delta variant. L'on pense que Delta variant, il a testé, il a est-ce que les compatible avec le vaccin sur ce point. Et puis, avant même, il y a bon résultat, il y a un Omicron qui rentre sous vous. Et vous posez tête aux questions. Comment bon Dieu fait quitter tout bagage, ça y va passer comme ça dans le monde. En pile dans nous-mêmes, nous avons dit que nous perplexes. Comment faisons Dieu qui est si bon, si compatissant, si puissant pour le quitter Jean de bagaille, ça y aura passé. Mais question, c'est pour qui raison? Mais assez souvent, la question n'est pas philosophique. Il est quand même devenu une question qui est personnelle à vous-même. Ou pas jamais grand goût. Ou entrer dans un restaurant, regarder des photos, vous montrez là, j'en place cet top là. Ou pensez que plat ça, son plat qui est délicieux. Et vous dites, vous t'arrêtez, mais plat ça de préférence. Et les waiters apparaissent. Pour le bon plat, l'organe des plats. Ou poser tête aux questions, est-ce que son table gardé dans l'image là, c'est lui-même? Parce que c'est comme si nous son petit monde high school qui travaille dans la kitchen qui prend la gueule, vous voyez, bah, ou comme ça. Ou poser tête aux questions, est-ce que ça qui est dans l'image là, c'est lui-même vrai? Mais quand ça me réalise, assez souvent, soit on a une image, soit on a une photo, il n'y a pas jamais réalité après. Ou on a une dame au terrain, mais on pense que c'est lui-même qui a fait vivre un garçon, si elle a fait reste vivre. Après 1 an, 2 ans, vous venez c'est plus gomiste écouter qu'a fait dans vie. La voix aller de mal en pire.
Ça vient de faire réaliser yon bagay, rêve nous yon pas jamais en sync avec réalité yon vrai. Mais pour qui raison, Dukens? À nous faire retourner dans le jardin d'Éden, bon minute. Galavem, bon minute. Il y a un auteur qui écrit et ça, monsieur, dit, a fait un peu le sens. Monsieur dit comme ça, nous tous confrontés avec nuisance. Mais nuisance, l'on a côté le rivet, il prend nuisance encore, mais plutôt, il est devenu un regret. Combien de vous même qui regrette dans vous, dans la minute, ça, bon situation? Combien de vous même qui regrette du fait que vous carrière pour te choisir ou pas choisir carrière là, mais quand vous venez trouver vos cougnés là, sorte espérer pour te ya, c'est pas ça. Vous avez un deal avec regret et regret ça vous avez. Vous dit comme ça que à chaque fois vous gardez figure dans la glace, vous avez un monde ça pour te ya dans la vie, vous n'avez pas arrivé à ça. Oui, c'est seulement un rêve. Mais il n'y a pas de réalité. Le réaliser ou aller plus fond, regret ça, qui vient devenu un problème pour même. À chaque fois, vous regardez dans le miroir, où est que l'âge n'a pas avancé. Réaliser que yon grain de bagaille ou marcher pour toute vie ou dans la vallée de la mort. Mais gen un jour ou pas gon chance encore la vie a fini. Mais c'est pour qui raison? Yon bagaille comme ça. Ni moi-même, ni vous-même, pas étranger, avec ennui, anxiété, agitation, honte et culpabilité. Ou pas qu'à échapper aux deux bagages. Et assez souvent, poser tête aux questions, ça qu'a passé dans le monde ça. Nous allons dans Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2. Où est que, où gagnons une introduction qui fait, côté qui terre là, was formless, sans forme, et vide, noir, et bon Dieu seulement parlé. Vin gagne la lumière, et l'ordre est restauré dans le monde là. Et vin gagne la vie dans le monde. Et là, le fin fait tout le bagage, ça, il dit prononcer, c'est comme ça que, il est tout ça, bon. Elle dit très bon. Et puis le vent, puis loin, il arrive, il crie, moi-même avec vous-même, à l'image. Ni garçon, ni fille. Et nous lit, il dit comme ça que, après, il voit toute salle de fin fait dans Genèse 1, verset 31, il vient voir tout le bagaille, il était très bon. Et arrivé, puis devant dans Genèse 2, il placé Adam et Ève dans une place, où il a dit son place qui était un luxe, plaisir. Ou capable dit c'est un parc royal que le té. Une place qui était chargée avec abondance. Côté tout pied bois et toute fouille, t'es belle. C'est tant comme ta douce, c'est un sanctuaire divin que le déplacé. Côté l'humanité capable de réjouir tout ça bon Dieu t'es créé. Et bon Dieu commande pour vous travailler jardin et pour vous kembel. Et pour vous capable de remplir et prendre domination. Terre là.
En d'autres termes, il dit comme ça, pour capable prendre soin jardin et pour capable river tout dans le monde là. C'est toute la terre est supposée un Éden. Et bon Dieu créé le monde là. Mais le problème qui vient présenter, l'homme bral fait face avec la destruction de la paix et opportunité qui est présentée à eux-mêmes. Et c'est pour qui ça, Dugens? Selon la Genèse, something went wrong in the world. Bon bagay qui vient pas marcher dans le monde là. Et qui vient permettre que y ait une conséquence tragique. Mais c'est qui conséquence ça? C'est là le péché rentré dans le monde. Ou capable de venir réaliser depuis péché rentré dans le monde. Et quel que soit côté péché rentré. Il ne peut jamais sembler à saleté avant. Il ne peut jamais saleté avant. Parce que péché gâte tout le bagaille. Péché rentré dans le monde à cause de péché. Place là, il était brisé. Qui s'est venu rentrer là-dedans, tu es venu gagner santé car il est destruction de la paix. L'âge de l'innocence ne peut pas exister encore. Parce que l'homme décidé pour prendre dépendance. Moi, suive-moi de près. Suive-moi de près. Et place là, vient devenu. Yon bagay qui tête en bas. Now, mon question pour vous-même. Assumez que vous préoccupez la caillou. Mais vous avez yon table, c'est glace que lié. Pendant que vous avez joué dans la caillou avec une boule, vous voyez une boule là sous glace là, bah, qui va pile par. Et puis table la crasée, ou bien si mon a couru le frapper table la, et puis glace la crasée, le gaillé dans tout salon. Sous son parent qui concerné, qui sera fait? Même le timoun, ou pral puni l'après. Mais automatiquement, ou déjà courir pour un balai et pour prendre dos pen pour capable retirer glace là et puis cogner là ou prendre glace là ou make sure que pas grand à terre pour ti moun nan blessé encore ou prend li ou jeter dans fatra et l'on fin jeter dans fatra ou fin clean mess là dans caill là sauf fait ti moun nan. Ou tape ti moun nan, ou bay consigne pour le pas faire ça encore. C'est ça bon Dieu fait pour moi même avec ou même après Adam et Ève fin péché dans le jardin d'Éden, tout ça qui t'écrasé, toute messe qui t'écrasé et toute bagaille bon Dieu lui-même t'es prend yo li ramassé yo et puis il connaît que moi gon plan de redressement pour yo parce que moi ça me créer créature mieux pas qu'à périr parce que me gagne un plan pour l'humanité ou te penser te gagne Satan le diable même pral mettre barbe mon pièce parce que goule sorte faire ou pral rester pas en réalité. Suive-moi. Et après Adam et Ève fin
gain connaissance du bien et du mal. Yo vin expérimenter le mal. Mais bon Dieu, tu as un plan pour l'humanité. Après un acte de défaillance et de rébellion, péché, depuis qu'on a péché, relation avec bon Dieu, il vient nous rompre. D'accord avec moi. Relation ça yo te gagné avec bon Dieu yo pas gagné encore et c'est ça dit nous dans Ésaïe la parole de Dieu enseigne nous dit comme ça que problème donc ça fait bon Dieu pas qu'attendre prière nous c'est péché nous méchanceté nous iniquité nous qui mettait une barrière entre nous-mêmes avec bon Dieu. Destination Adam et Ève, c'est pour de gouverner la terre pour bon Dieu. Mais à cause de rébellion contre bon Dieu, ils viennent obéir une non créature. Est-ce qu'on comprend? Oui. Ça dit que bon Dieu est le créateur. Et Satan, qui ça? Satan, c'est qui ça? Lui, c'est créature là. Ou pas capable de quitter créateur pour rejoindre créature là. Bon bagaille qui pas marché bien. Et pour dans la désobéissance, vous avez souffert quand même. Ça vient permettre que relations aient changé. Vient gagner discorde. Et le péché rentré dans le monde. Il est toujours fait pour Jésus d'aujourd'hui. Depuis péché régné dans un bagage ou bien dans un côté gon blême game. Hello? Ça qui passe, Satan avec Ève et Adam et Ève péché. Quand il y avait un blême game qui tombait fait. C'est femme ça qu'on mettait bon côté maintenant qui fait tomber la dame. Vous commencez à blâmer l'autre, c'est vous-même qui faites tel bagaille. Et non, mi-temps chaos là, non, mi-temps tête chargée. Bon Dieu, pral dit l'homme, mes plans comme gagne pour vous, ma foi grâce quand même. Et puis dans Genèse 3, le verset 15, c'est ça que vous relayez dans la théologie au proto-évangélium. C'est le premier évangile qui prêchait dans la Bible et au joigné dans le jardin d'Éden. Mais cependant, en dedans, Genèse 3, verset 15, cet évangile qui prêchait. Mais qui ça qu'on a tiré dans 3? Qui va qu'on a tiré dans l'évangile ça qui était prêché? Il y a un mot en anglais qui dit comme ça, un mot qui est le foreshadow. Il a dit, on va qui foreshadow, on va qui préfiguré, on va qui était annoncé. C'est ça que fait dans Genèse 3, verset 15. Il y a trois bagailles qui étaient annoncées. Premier bagaille qui était annoncé. Et si on prend notre, on connaît que c'est là que je vais prêcher pour tout le reste dans ma prêcher. Premier bagaille qui était annoncé. C'est la régénération du peuple de Dieu. Deuxième bagaille qui t'est annoncé, c'est la rédemption du peuple de Dieu. Et troisième bagaille qui t'est annoncé,
ruine de l'ennemi. Now, ma campé là. Je ne vais pas même rentrer dans le premier point. Ça, c'est juste introduction. Qui premier bagaille qui t'a annoncé dans Genèse 3, verset 15, qui ça me dit? C'est la régénération du peuple de Dieu. Troisième bagaille, deuxième bagaille, c'est la rédemption du peuple de Dieu. Et troisième bagaille qui t'a annoncé, c'est qui ça? C'est ces ruines de l'ennemi. Là, à chaque fois, le chrétien a célébré saison ça. C'est ça qui vient relayer, c'est ça qu'on va célébrer l'incarnation de Jésus-Christ qui va permettre ces trois choses possibles à celui qui croit. Que mon Dieu aide, que mon Dieu protège. On va prier pour moi dans la période de préparation. Pour que capable gagner un monde qui régénéré, pour que un monde qui capable accepter et reconnaître la rédemption et pour que tout le monde reconnaisse que ou plus que vainqueur et ou porter la victoire à jamais à cause de l'incarnation et la victoire de Christ sur le calvaire. Que mon Dieu bénisse.